La communauté d'agglomération va investir environ 25 millions d'euros sur son système d'assainissement pour le mettre en conformité dans les 4 années qui viennent. Les actions se structureront autour de 3 axes. Le premier axe consistera à optimiser les ouvrages existants, par exemple en faisant du stockage en ligne dans les réseaux visitables de grande dimension du centre de ville de Pau. La deuxième action visera à créer des réseaux de délestage sur le réseau structurant, avec pour objectif de limiter la sollicitation des déverseurs d'orage et donc limiter les déversements d'effluents non traités dans le Gave. La troisième action consistera à créer une file dédiée au traitement du temps de pluie sur l'usine de dépollution des eaux usées de l'Escar pour éliminer la pollution des survolumes acheminés par les réseaux de délestage. Ces aménagements du système d'assainissement feront l'objet de subventions de la part de l'Agence de l'eau Adour-Garonne à hauteur d'environ 10 millions d'euros pour limiter l'impact de cette mise en conformité sur la facture d'eau d'assainissement des citoyens.